Salut à tous, on se retrouve pour le chapitre 5, donc le parc. Sachant que le chapitre 4, on a été dans une forêt, on a juste empoisonné un gars et amputé un chien. Bon, tout va bien, hein, voilà. Et préparé une petite, justement, la petite potion de poison dans un chaudron, dans une maison. Voilà, tout va bien. Alors, les esprits effrayés créent des monstres. Apeurés, effrayés. Pense à propos des belles choses. Avec un cœur, et ça a été barré. Le truc content avec un petit smiley. Putain, le smiley est hyper bien fait. Ça a été barré aussi. Donc, les gens sont plutôt dans une ambiance dépressive. Assez triste. On peut aller que là. Okay. Oh putain de sa race. Des araignées. Excuse-moi, là pour l'instant je vois pas d'araignée, donc si tu mets des araignées et que c'est les araignées qui font ça aux gens derrière toi, ça va mal se produire par contre. Ça ne va pas être bon. Des araignées partout, il n'y a plus aucun espoir pour nous. Sauf qui peut. Ouais, et eux ils sont de toute façon en grande détresse psychologique. Au secours! Bah oui, mais là je peux rien faire du coup, c'est un peu la détresse. Oh là là! D'accord, donc là en fait j'ai l'impression de voir toutes les personnes que je ne voyais pas avant en fait. Parce qu'à un moment c'était la nuit, tout ça, et là j'ai l'impression de voir les gens. Si tu veux te montrer utile, trouve l'infirmière. D'accord, moi j'ai juste vu la cuisinière. Et qu'est-ce que tu fais toi? Es-tu aveugle ou stupide? Ne vois-tu pas qu'il y a la queue? Tu n'es pas le seul à avoir besoin d'aide. Si ça se trouve, il y a des patients qui sont ici à cause de toi. Tu fais de vilaines choses et nous devons tous payer pour ça. Je vois pas de quoi tu parles. Attends ton tour patiemment. Alors, donc on a cherché l'infirmière. Ah, si, je peux aller là. Je peux aller aux ruines. Ça me donne pas forcément envie. Oui, bien sûr. Portail. Le portail est fermé. Je t'en supplie, apporte-moi la clé. Rose, fais vite, s'il te plaît. Peut-être un moment en russe, je ne sais pas. Oh, une disquette. Génial. What is the source of Aeromons? Quelle est la source des... Je sais pas ce que ça veut dire. C'est pas les trucs par rapport au coma, un truc comme ça. Ok, bon. Bah du coup, je vais aller là, même si je le sens pas trop. Il y a plein d'œils. Et du coup, je peux rien faire quand même, c'est pas la folie. Une bouteille d'alcool. Ah, une bouteille vide. Je vois pas à quoi va me servir la bouteille. Bah, la disquette ne servira pas forcément plus. Hein. Ah, c'est là-dessus. Et c'est pour récupérer quoi? Du poison. Ok, ok, ok. Et je donne ça à qui? On verra bien. Après, non, vaut mieux pas. Au secours! Et là, je vais verser du poison sur la tronche. Le problème, c'est que là, je trouve qu'on utilise énormément de poison. C'est quand même pas. Oh, sur les yeux. Ok. Prendre ça. Le pied de biche qui va nous servir. Ah. Ah ça je sais pas pourquoi. Ah si, peut-être à ouvrir le mot. Ça du coup. Ah elle est là. Enfin. Je pensais que je n'arriverais jamais à sortir d'ici. Quel soulagement, merci. J'ai été attaqué par un monstre alors j'ai sauté dans les égouts et je me suis fait piéger. Visiblement ce n'était pas la meilleure idée. C'est sûr. Hein. En fait quitter l'hôpital n'était pas une sale décision. Regarde combien de patients sont en train de m'attendre. Je dois y aller maintenant, il n'y a pas une minute à perdre. Puis-je te demander une faveur? Mets un couvercle sur ce trou. Quelqu'un risque de tomber dedans et de se blesser. Merci pour ton aide. Au revoir. Ah oui, d'accord, les personnes qui étaient assises là, c'était des patients qui l'attendaient aussi. Ok, bon bah du coup, on peut aller dans le store, ça c'est cool. Il est toujours en grande détresse avec ses intestins.
tombe. Ah, d'accord. Okay. Bah oui, dès que je clique, je suis dedans. D'accord. La cuisine de la meuf. C'est... Elle est dégueulasse, celle-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette tête d'araignée là? En fait, l'araignée est une personne. Enfin, elle a une petite tête humaine quoi. Mais bon, si je clique dessus, ça fait rien. C'est un peu bizarre. Ah, puis il y en a une là! Ah putain, je suis en mode. Ah! Il y a un œil, il y a tout ça. Ok, donc oui, les araignées sont revenues. Effectivement, elle a pas tort. Ça s'est fermé, c'est fermé. Putain, je ne fais plus ça. Plus jamais. Never. Mais du coup, c'est un peu le caca, quoi, encore. Est-ce que je peux utiliser ça? Non, je peux même pas les assassiner. Oh là 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 là. Ouais, d'accord, c'est bon qu'ils attendent, quoi, du coup. Je suis curieux de savoir où tu trouveras un numéro, maintenant. D'accord, bah c'est agréable. Les mecs se marrent, ils font des coups de pute. Ah, lui, il faut utiliser un truc sur lui, d'accord. Ah, il faut lui un petit peu lui... l'agresser. Ah, mais la disquette. Attends, est-ce qu'on pourrait pas la mettre là, la disquette? Non. Oui. Mais non, mais on peut pas... Merde. Voilà. Du coup, j'ai foutu une disquette. Il y a un masque qu'il y a dedans. Image. Ouais, ils sont sérieux. Hein. Ah mais sans déconner, c'est-à-dire que je ne peux pas cliquer. En fait, tu peux cliquer sur rien. Et ça, tu peux pas voir l'image parce que c'est infecté. C'est débile. Peut-être un truc à faire avec, avec la disquette. Hein. Ah la connasse. Ah mais faut que je mette de la bouffe. Hein. Ah, j'ai un numéro. Tu vas attendre longtemps. Bon bah en fait j'ai un numéro, ça sert à rien. Ça y est, je peux rentrer. Tu peux utiliser un... Bah oui, sa tête. Et du coup, ça fait quoi? C'est trop bizarre, en fait. J'ai remis en état, mais bon. Bof, quoi. Ok, bon bah, on repart. La clé. Vieille clé. C'est pas là. Est-ce que ça peut être là? Non. Peut-être que c'est la clé du portail. Non. Voilà. Merci, prends ça en récompense. Oui, on m'a donné quoi? De la monnaie. Ok, c'est cool. Et bah, on va aller à l'hôpital. Ah, comme par hasard, lui est parti. Okay. Du coup, je peux peut-être mettre ça là-dedans, non? Bizarre ça. Oh! Mmh.
M'en fous, j'ai le numéro 3. Ah mince. Salle d'attente. Non, c'est pas là. Mon numéro. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Je croyais que j'avais le 3. Je ne peux plus supporter cette douleur. Tristesse. 13 égale 3. Ah. Voilà. Je vois que tu es blessé. Je vais essayer de t'aider. Bouh. Ça devrait aller mieux maintenant. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire plus pour soigner tes blessures. Quant à ton ami imaginaire, j'ai entendu dire qu'il avait récupéré sa tête. Pour l'instant, ça devrait suffire. J'irai lui rendre une petite visite après avoir fini mon travail ici. D'accord, ok. Je n'ai pas le temps pour l'instant. Attends que j'ai terminé mon travail. Non mais j'en ai marre, oh! C'est pas la peine de me parler comme ça. On me parle mal, il y a des sangsues, c'est quoi cette merde? Protestation. Bah, eux, ils sont mal. Je me suis fait machin avec une sangsue. C'est même pas là. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? L'aiguille du fil. Ah, peut-être qu'il faut que je fasse ça sur le petit. J'ai commandé un repas et je l'attends encore. Montre-toi utile et apporte-moi à manger. Bah, je suis pas ton esclave, on va te faire foutre. Si, je suis obligée. Je suis obligée. Elle est pas revenue, la custo? Allez donc. Ah, enfin, elle est mortelle. Elle avait la clé. Il y a plein de sangsues, je vais éviter de les toucher parce que dès que je touche une sangsue, c'est la merde. Ça, c'est un poisson pourri, oui, ok. Ça, c'est une araignée décédée. On peut faire la même chose que tout à l'heure. Je ne touche pas parce que. Et si je ramène un poisson, ça lui convient? De la nourriture mâchée. Ah ouais, la personne est quand même assez réaliste là, quand même, dans cette vie. La nourriture mâchée. Il y a du sang là. Il y a du sang. C'est moi qui mets du sang? Putain. Ah, je peux faire un truc là-dessus. Ça. Ah, oh là là. Enfin! Mais, elle est où ma boisson? J'ai aussi commandé quelque chose à boire. Quel service? Bah, du coup, oui, on va prendre une boisson dedans. Une canette! Elle est vide comme tête? Comme tête? Comme ta tête, peut-être, non? Bah, je vais peut-être le remplir dans les toilettes, non? Alors attends, parce que du coup. Tiens, voilà, avec l'eau des chiottes, allez, vas-y, régale-toi. Qu'est-ce que c'est? C'est un goût de pisse. C'est normal. Ah là là! Moi je suis. Putain, mais ça se fait vraiment pas du tout, quoi. Ah, te voilà. J'ai besoin de ton aide. Peux-tu m'apporter un fil et une aiguille? J'en ai besoin pour réparer ton nom sans plus. Bon, bah du coup, ça tombe bien, j'en avais récupéré. Merci. Ton nom c'est vraiment très mal en point. Ça risque de prendre un peu de temps pour le réparer. Il y a une cassette VHS dans mon cabinet. Tu peux la regarder si tu veux. Je ne sais pas ce qu'il y a sur cette vidéo. Je l'ai trouvée près de la porte. Bah, c'est bien. Pff, ça se trouve,
c'est un film de cul, c'est pas... Vas-y, regarde une cassette et occupe-toi, hein. Faut que je la regarde. Ah, le petit monstre derrière, là. Là, là, là. Là, 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 là. Là, là, là. Ah, la petite personne, là, encore. J'aime pas trop ça. Hmm? Non, là, ça veut dire que tu es tout prêt. Non? Merde, putain, c'est pas là que je voulais aller. Laisse-moi tranquille. Oula, j'ai très peur. Oh, des clones. Notre petit cauchemar. Je m'attends à un vieux screamer. Je suis sortie. Apporte-moi quelque chose à manger ou je tue ton chien. Bon, c'est la base, hein. PS, ton poisson rouge est déjà mort. Ok. Ah ouais, non, mais c'est très perturbant quand même. D'accord, faut que je mette un truc dedans. Bah, je sais pas, le poisson. Lol, c'est super drôle. Moi, ça me fait pas trop rire quand même. Ok. Je sais pas du tout si je peux faire des trucs là. C'est quoi ça? Des canettes. Haricots. D'accord. Ah, ok. Une poêle, on va la mettre là. Hop, ça, là-dedans. Ça, c'est prêt. On peut la mettre là-dedans? Non. Okay. Oh putain, le poisson là-dessus, wow. Ok, il faut que je prenne le couteau. Donc ici. Donc le couteau sur le poisson. Ah, c'est rigolo. Et ça, faut que j'y rajoute dans la boue. D'accord, on va se marrer parce qu'on va empoisonner le mec. Oh, le pauvre, il est mort. Pourtant, on lui avait préparé un bon repas. Voilà, enculé. Ça, c'est pour avoir tué notre poisson. Hein, bâtard, bah. Hein, notre poisson, il avait rien demandé. Quoi, c'est drôle. C'est affreux. Oh Dieu.
Ouais, bah oui. C'est bon, je peux pas arrêter parce que c'est très dérangeant. Je dois partir. Ah, ok. Ah d'accord, la personne se suicide. C'est quand même agressif comme vidéo. La personne est sympa, tiens. Une petite vidéo. Occupe-toi. Heureusement que je ne suis pas un enfant. Enfin, ça se trouve si, en fait, j'en sais rien. C'est quoi cette merde? Oh là là, les clowns sont moches, 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 moches. D'accord, il y a plein d'araignées partout. Ah, encore lui. Je vois que notre ami se sent mieux à présent. J'espère qu'il a des informations importantes pour nous. Dis-moi, Nounours, qu'est-ce que tu faisais au cimetière? Je gardais les parents de mon ami. Ah bah oui, il l'avait dit. Ils sont enterrés à cet endroit sous terre. Mon ami m'a demandé de prendre soin d'eux, et alors? Qu'est-ce que c'était? J'ai peur. N'aie pas peur, Nounours. On est en sécurité ici. On est avec toi. Non! J'ai peur. Je veux rentrer chez moi. Bon sang. On n'obtiendra aucune information de cette manière. Il faut trouver un moyen de le calmer. Il a un esprit d'enfant. Trouve un jouet ou un livre aux images. Je vais veiller à ce que rien ne lui arrive. Quoi qu'il en soit, ça avait l'air plutôt menaçant. Oui, je me doute bien. Je crevais encore. Ah, ce jouet est effrayant. Je ne veux pas. Tu m'étonnes. Je suis assez d'accord avec toi. Hein. Le clown est dégueulasse. Ah, parce que j'ai un malus parce que je vais donner au clown. C'est dégueulasse quand même. Attends, c'est pas de ma faute. J'essaie de faire quelque chose de bien. Ce comprimé peut m'aider. Prends-les, ça ne te fera pas de mal si tu essayes. Je dois y aller. Est-ce qu'on peut pas lui donner des cachets à l'enfant? Non, c'est pas bien. Oh là là! Faut pas accepter des choses des étrangers. Ça ne va pas marcher. Jette ses comprimés à la poubelle et trouve autre chose. Tu commences à m'enquiquiner en fait là. J'ai peur, gnagna. J'ai foutu un coup de biche dans la tête moi. Ça allait très vite, hein. Toujours aussi infecté, hein, parce que je pensais. Oh là là, d'accord. Alors, attends. Deux, c'est ça. Ah. Faut que je fasse ça. Faudrait que je sorte. Et elle descend dans la corbeille. Ce dessin me rappelle les dessins de mon ami. Il faisait de très beaux dessins. Mais après, il a arrêté de mettre des couleurs. Il est devenu tout triste. Il s'inquiétait pour ses parents. Puis ils étaient vieux et malades. Il ne voulait pas qu'il meure. Il voulait qu'il reste avec lui pour toujours. Il a décidé d'arrêter la mort. Pour les piéger. Il a demandé à tous ses jouets de l'aider. Hélas, ça n'a pas marché. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au cimetière. Je dois y retourner. Cet endroit est laid et effrayant, mais j'ai promis. Maintenant que j'ai retrouvé mon corps, je peux remplir ma promesse. Je peux garder cette image? Elle est très belle. Oui, Nounours, prends-la. Garde-la. Tu peux? Pour toujours? Vraiment? Ah, tu peux la garder pour toujours, Nounours. Waouh, vous êtes très gentille. Merci. Il n'y a pas de quoi. Tu le mérites. Tu es très courageux. Intéressant. L'ours en peluche a dit quelque chose à propos d'une tentative pour arrêter la mort. Cela a sûrement un rapport avec notre problème. Nous devons retrouver cette personne. Seul un enfant pouvait imaginer une créature comme cette ours en peluche.
mais je ne me souviens pas avoir rencontré un enfant par ici. Nous devons le retrouver maintenant. C'est un endroit dangereux pour un enfant. Du reste, peu d'entre eux peuvent survivre ici. Je vais ramener l'ours en peluche au cimetière. Je vais lui demander de me montrer la tombe qu'il gardait. Peut-être l'enfant va-t-il venir. Tu devrais le rechercher dans le voisinage. Quand tu retrouveras l'enfant, essaye de trouver un rapport entre lui et la disparition de la mort. Mais surtout, ne fais pas de bêtises. Je sais de quoi tu es capable. Si tu blesses cet enfant, tu vas devoir faire face à un véritable cauchemar. Mais non, je suis quelqu'un de sympathique, enfin. D'accord, donc on a fini chapitre 5. Du coup, en regardant quand même un petit peu, parce que là, j'avais pas capté qu'il fallait remettre dans la poubelle pour que ça apparaisse en vrai. Et du coup, je peux vous dire que là, on fait vraiment une sale partie. Parce qu'il y a vraiment une solution pour tout bien faire sans tuer, sans blesser personne. Donc voilà, donc bah à bientôt pour le chapitre 6. Salut !